Aujourd'hui, le samedi 2 août. Hey, 2 août. 2 août. Ça sent l'hiver. 2008, moi j'adore l'hiver. Je suis un gars nordique et je vais vous raconter. Jeudi, la nuit de jeudi à vendredi, vers 4h du matin, imaginez-vous. Mario, imagine-toi mieux que ça, là. Arrête de toucher les fesses de ta copine, là. Ça fait 10 ans que t'es avec. Elle n'a pas changé de fesses, là. Oui, mais je l'aime, je l'aime. Bon, ben, OK, continue. Palpe. Je palpe, bon. Mais imagine-toi mieux que ça, Mario, là. Imagine-toi que... Hein? Je me souviens plus. Hey, ça, c'est deux fois, deux blancs de mémoire. Ah oui, c'est ça, à 4h du matin. J'ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus pourquoi. Il s'est mis à tomber du ciel de petites gouttelettes. Gouttelettes humides qui descendent du ciel. Est-ce les pleurs du petit Jésus? Est-ce les pleurs du petit Didi? Didi pour Dieu, Didi est tombé, Didi est papi est papa. Ah, reviens. Ah, reviens la pluie. Non, revienne la pluie. Pardonne-moi. Alors, à 4h, il s'est mis à tomber quelques larmes. Et devant moi, j'avais un spécimen du genre humain. Ah! 4 $ et 33 cents! 33 cents! 30... Oui, 33 cents. Laissez voir. Non, monsieur, je vais compter. Ah! Oh, capable de compter mon argent tout seul! Oui. Oui, mais parce que là, il y a d'autres personnes là, qui veulent aussi passer à la caisse. Ah! Capable ça de trouver mon 43 cents! Bon, okay, allez-y. 1, 2. J'étais rendu à combien, là? C'était rendu à 2. Attends, un peu, me recommencer. Allez, toi qui m'ont. 1, 2, 3. Monsieur, moi, ça va prendre 5 secondes. Ah, qu'en fait, ça, tu chauffes mon argent, toi! Je vais compter avec vous, vous comptez avec moi, on comptera ensemble. Non, vas-tu tôt! Ah, il pleut dehors! Ah! Il pleut dehors! Oui! Bon, ça va nettoyer les rues. Ah, c'est imbécile! Ah, c'est imbécile! Non, ça, monsieur, je ne suis pas un imbécile, c'est l'effet miroir. Hein? L'effet miroir? Oui, de Lacan. Lacan, l'as-tu dit? Lacan, l'as-tu dit? Maintenant. Il l'a dit maintenant, moi j'ai dit que c'est Lacan. Lacan, ben va-t'en, Lacan! Fous Lacan! Oui. C'est l'effet miroir, ça, monsieur. C'est vous l'imbécile. Oh! Il va traiter d'imbécile. Le client a tout le temps raison. Il va. Mais pas ici, mon Dieu! Qui sort dehors? Là, je le prends, je le sors, il sort à travers la vitre. Ah, oh, c'est fabuleux, là, la pluie. Puis là, il chantait pas Rain in the Rain. Mais, ah, c'est. Ah non, il chantait plus. Il déchantait. Alors donc, aujourd'hui, le samedi 2 août, donc ça sent l'hiver, l'errance rénadienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot, confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Ben oui, je sais que j'ai pas dit boulot ici, boulot, ça vous a perturbé. Mais je sais que vous aimez vous perturber. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Arrête de rire, toi. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Nous pourrons apprécier du côté mélodique la chanteuse chère à l'errance rénadienne, Bri-Bri. Bri-Bri, avec ton beau corsage. Bri-Bri, Brigitte Fontaine. Que je l'aime. C'est dommage qu'elle n'aime pas l'avion, elle. Ça fait beaucoup aimer, ça fait beaucoup d'aimer, hein? Ah ouais, c'est redondant. Laisse-moi t'aimer toute la nuit. Laisse-moi toute la nuit. Fais-la avec toi, le plus beau de tous les voix.
Mitchum, Fats Domino et Joss Stone. Stone. Et pour nous envelopper dans une atmosphère ardente, ensorcelant, enivrant et érotisant, unissons-nous autour d'une œuvre composée grâce au génie narratif de Philippe Djian, le regard naturaliste, observateur et hétéroclite de Jean-Jacques Benex, le jeu fluide et déroutant de Jean-Luc Anglade. Non, c'est pas Jean-Luc, c'est Jean. Oh oui, Jean-Hugues Anglade, pas Jean-Luc. Excuse-moi, Jean-Hugues. Je vais me frapper devant toi. Mais pas devant toi, mais je vais me frapper en direct. C'est Jean-Hugues. Tu me pardonnes, mon Jean-Hugues. Imaginez. Non, encore mieux que ça, toi. Il paraît que. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je ressemblais à Jean-Luc Anglade. Mais ça, c'est avant que. Là, aujourd'hui, j'ai pris quelques kilos à trop, là. Mais on va vous mettre le visage de Jean-Luc. Voilà maintenant! Et le mien. On se ressemble, hein? Ok. Ensuite, le jeu fluide et déroutant de Jean-Luc Anglade, Béatrice Dalle. Ma prochaine copine va ressembler à Béatrice Dalle. Gérard Darmon, Consuelo et Avilan et Clémentine Sellarier. Pour en produire un effet volcanique, charnel et machiavélique, celui de 37.2 le matin.